Puis le monde à 40 ans te dit « Ouais, mais tu vieilles bien. Asti, j'haïs ça. » Ou « T'es beau pour ton âge. » Ça, ça veut juste dire que si j'avais eu ce face-là à 20 ans, j'aurais été d'être en asti. Hein? On se reconnaît facilement dans tout ce que tu dis. Ramasse-toi de l'argent au cas où qu'à 80, t'aies une vie active. Hey, c'est quoi ça, une vie active à 80? C'est comment à cet âge-là, tu te couches de bonheur, tu te lèves de bonheur, puis entre les deux, tu fais un somme. Et la petite question qui tue, puis tu coucheras tiens avec? Un peu, pas. Je pense comme la grande majorité du public, le bout que j'ai préféré. Quand Peter explique qu'il est un humoriste malveillé. Une fille qui dit « Je peux-tu te faire quelque chose avec mon vibrateur? » Non, non. Ça, c'est tes bébelles. Fais ce que tu veux dans toi, pas dans moi. OK? J'ai un dicton là-dessus. C'est pas par sa rente que ça me tente. Hein? Je vous le dis tout de suite, c'est le dernier spectacle que je vais parler des relations de couple. Ma conclusion, c'est de la merde. Vraiment adoré ça. Je pensais vraiment que c'était une bonne idée d'être venu ce soir parce que je suis en studio demain et j'ai un peu la voix scrap tellement j'ai ri. Les gars, il y a une manière de se mettre du parfum. Il faut se fiumer. Tu mets le fium puis tu pars dans le fium. Puis c'est un meeting important, fium plus beau. Oup, oup, oup. Mais je vous le dis, les gars, il n'y a rien comme une dodue qui est due. Mesdames et messieurs, c'était Peter MacLeod.